Salut, salut à tous les Ivoiriens, salut, salut à tous les frères et sœurs de la commune de Lakota. C'est une petite vidéo où je ne peux pas durer. Voilà, là, ici, aujourd'hui, je fais ce direct parce que ceux qui n'ont rien compris de tout ce que nous sommes en train de faire à Lakota, je veux vous rappeler beaucoup de choses. Vous savez, je le dis et je le dis toujours, on peut gâter le nom du RHDP. Quelqu'un peut venir gâter le nom du président, faire ce qu'il peut, mais pas à Lakota. Ça ne peut pas commencer par les cadres du RHDP de Lakota. Parce que nous, on est là. C'est là où on est. Donc, on voit. J'ai prévenu le maire sortant de Lakota. Depuis 2020, après ces élections en 2018, je l'ai prévenu. 2020, commence à travailler, ça te fait deux mandats. Parce que demain, il ne faut pas qu'à cause de toi sur ton nom, ils vont salir tout le nom d'un parti politique. Le maire, il n'a écouté personne. Il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait, parce qu'il pensait que il faut dire seulement que je suis avec Alassane Ouattara, il faut dire seulement que je suis avec le RHDP, il faut dire seulement que c'est moi le Carignan, et puis tu es élu. Il a oublié que les pauvres, ceux qui marchent à Lakota là, c'est eux qui donnent la mairie. Il a oublié que ces vieux là, qui considèrent pas là, c'est eux qui donnent la mairie. À Cabré-Bois, le jour où il voulait inaugurer son terrain qui n'est pas fini là, il y avait quatre morts dans le village. Quatre morts, quatre corps. Il y a veillé de quatre personnes qui sont décédées dans le village. Il a donné 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 ici. Et lui, il veut inaugurer coupe. Il veut inaugurer stade. J'ai dit non. Nous sommes dans un village. Un village où il y a un village réuni, c'est-à-dire où il y a cinq quartiers, il y a quatre corps. Toi qui es le maire de la ville de Lakota, tu dois inaugurer ton stade. Le stade là n'est pas fini. Mais les villageois sont en train de pleurer. Mais malgré ça, il a inauguré le stade. Tu n'as pas pensé à la douleur des parents. Tu n'as pas pensé à la douleur du village. Mais toi, et le stade que tu inaugures là, c'est quel stade? Un stade inachevé. Un stade où il y a de l'eau. Un stade où tu n'as rien pour tu. Le stade là, il faut que tu l'inaugures parce qu'il faut qu'on te voie. Tout ce que tu as fait, casser les magasins, reconstruire des magasins privés, prendre 54 lots dans la commune, dans le village d'Acabrébois. Et tout ça, tu es tranquille. Tu as oublié que ces pauvres-là, en attendant que les enfants d'Acabrébois, on leur donne un lot, six personnes, quatre personnes, un lot. Quand ton temps passe, il faut savoir que ton temps est passé. Quand ton temps n'est plus là, il faut penser, il faut savoir que ton temps est passé. Et dans la vie, il faut savoir partir. La même population qui a lutté pour toi en 2018, qui a dit on ne veut pas Kouyaté, on ne veut pas Kouyaté, que c'est Samy Meri qui a gagné là. Ces mêmes populations-là qui t'ont dit que tu ne fais plus leur affaire. Quand c'est comme ça, on part. Quand c'est comme ça, on part. Parce que là, tu es en train de fragiliser le RHDP à Lakota. Tu es en train de gâter le nom du RHDP à Lakota. RHDP a déjà dit que le président du RHDP, qui est le président de la Côte d'Ivoire, a tout fait pour donner de la contenance au RHDP, a tout fait pour donner de la valeur au RHDP. Pourquoi pas à Lakota? Parce que Lakota, tu t'es montré incapable. Parce qu'à Lakota, tu as montré que tu ne viens pas du RHDP. Parce qu'à Lakota, tu as montré que tu es un homme d'affaires. Parce que à Lakota, tu veux monter, c'est-à-dire que tu laisses la population et tu vas prendre le chef du village. Tu laisses la population, tu vas prendre le président des jeunes. Tu oublies que c'est les jeunes du village qui ont mis le président des jeunes. Tu as oublié que c'est les villageois qui choisissent leur chef du village. Donc si toi tu as un, tu t'en fous du reste.
Aujourd'hui, je disais que tu as perdu les élections à Lakuta. Tu as été maire pendant 10 ans. Si aujourd'hui Lakuta t'a laissé, c'est parce que tu n'as rien foutu. Mais pour bien partir, il faut laisser les élections là comme ça parce que tu as perdu. Tu as perdu à Doulaboukou, tu as perdu à Dogoyiri, tu as perdu à Kabrebois, tu as perdu à Daïri, tu as perdu à Bahiri, tu as perdu à Zokolire, tu as perdu partout. Le RHDP ne perd pas comme ça. Si tu as perdu là, tu sais que la cause vient de toi-même. La cause vient de toi-même. À Lakuta, les gens ne sont pas dans l'histoire de Palab. Ils ne sont pas à faire des revendications. Sinon, quand Kouyaté s'est opposé avec Lida Kwasi, là, les gens allaient faire réclamation. Ils allaient faire Palab. Mais le Dida, là, c'est Djoula qui a gagné. Députation, RHDP. Lida Kwasi représentait Gbagbo. Il a été ministre à Lakuta. Quand ils l'ont gagné, il est parti. C'est un monument à Lakuta. C'est à cause de politique qu'on dit son nom. Sinon, c'est un chef. Nous, on ne peut pas parler de lui. Mais c'est à cause de politique là, qu'on est en train de critiquer les actions. Mais sinon, tu connais sa puissance, tu connais sa force, tu connais sa valeur. Donc, tu n'es pas plus bon, tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus grand que Lida Kwasi. Mais il est parti. Il n'y a pas eu histoire dans la députation. Là. Il a félicité Kouyaté. Il a félicité Kouyaté après les élections. Toi, ils t'ont battu partout. Tu as pris le nom du RHDP que tu ne représentes même pas. Ils t'ont battu partout. Ils t'ont battu parce que toi-même, devant ta résidence, il n'y a pas goudron. Donc, les villageois ont su que si devant toi, ta résidence, toi qui es le maire, il n'y a pas goudron, là, c'est où toi tu vas mettre goudron. Si tu viens dans un village comme à Cabré-Bois, les petites terres qu'on a, ils ont la gare routière de Lakuta, c'est à Cabré-Bois qui a donné la terre. Le carrefour, le rond-point, c'est à Cabré-Bois qui a donné la terre. Donc tout ce qui est marché là, c'est la terre d'à Cabré-Bois. Donc tout ce qui est commerce, c'est la terre d'à Cabré-Bois. À l'entrée de la ville, comme à la sortie de la ville, c'est la terre d'à Cabré-Bois. Donc le lot qu'on appelle quartier millionnaire, là, où les jeunes vont aussi prendre un lot par tête, là. Toi seul, tu as pris 54 lots là-bas. À quoi tu t'attendais? Et si nous, on va te redonner 3e mandat, mais tu vas nous arracher tout le village. Donc tu as compris que ton échec ne vient pas du RHDP. Le RHDP n'a pas échoué à Lakuta. Le RHDP a été député à Lakuta face à un monument qui s'appelle Lida Kwasi. Mais toi, tu as échoué devant toi-même. Le petit prince d'Ali, là, il est venu te chicoter. Il t'a dit, même si ce n'était pas prince d'Ali, que c'était un bois qu'on mettait devant toi, ça allait te chicoter. Parce que tu ne le mérites plus. Les villageois t'ont vomi. Tu as oublié que c'est ceux-là qui donnent le pouvoir à Lakuta. Tu as oublié que ceux-là qui donnent le pouvoir partout, même celui qui est président de la République, Alassane Ouattara, là, où ils l'ont insulté, là, il a envoyé Goudron là-bas. Où ils l'ont insulté, là, il a envoyé Dero là-bas. Où ils l'ont... Voilà comment on fait la politique. Mais toi, tu donnes moto aujourd'hui, si la personne, tu l'arraches moto, si la personne, tu l'arraches voiture, si la personne, tu l'arraches machette. Et puis nous, on va venir te redonner là, côté, mon frère. Même si tu veux, il faut mettre peinture sur ta tête pour dire que tu es RHDP. Jamais on n'allait te voter. Tu as vu, j'ai dit, malgré que tu as perdu, mais tu pouvais bien partir. Malgré que tu as perdu, tu pouvais bien partir. Tu pouvais venir pour féliciter ton adversaire. Tu as eu bruit sur Lida Kwasi. Il est bien parti. Il est parti grand. Voici des politiciens. Il est parti grand. Malgré qu'il était face à Kouyaté, qui est son petit frère, quand Kouyaté l'a battu, il a félicité Kouyaté et rien. Et ça l'a grandi à Lakuta encore. On connaît sa valeur. Mais toi, tu as perdu devant le petit là. 10 ans, tu as passé à la tête là. Toi, tu as venu dire qu'ils t'ont volé là-bas. Toi, tu as dit qu'ils t'ont volé à Lakuta. Ils t'ont volé dans quelle commune? Toutes les communes t'ont gagné là-bas. Ils t'ont volé où? Tu es venu ton nid. Tu es venu te déshabiller. Tu es venu. Tu as dit, tu pars maintenant avec la honte.
Ça dit, je ne comprends pas que sans la mairie, tu n'es rien. Sans la mairie, tu ne peux pas vivre. C'est pas pareil, tu t'appelles Samy Mairie. Samy Mairie, là, c'est le nom de ton papa. C'est le nom qu'il t'a donné, Samy Mairie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être maire. Ce n'est pas la mairie. Hein. Ton mairie et puis mairie, là, c'est pas la même chose. Non, tu veux te lier à la mairie, quoi. On te chasse à la mairie, tu t'en prends à Bézaria. On te chasse ici, tu prends ici. C'est-à-dire, toi seul, là, on regarde dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Ah, champion. Tu es comment? Maintenant, voici la honte que tu prends pour partir. Regarde, tu penses que le RHDP, ceux qui gouvernent là, aujourd'hui, sont dans la droiture. Tu penses que tu vas prendre tes margouilles pour envoyer ça au conseil de l'État, et puis on va dire non, comme il est RHDP, il s'est dit qu'il a gagné. Non, voici la décision. Alassane Ouattara, tu manges à lui, si tu ne fais pas bien, il te met à l'écart. C'est pourquoi on le soutient, parce qu'on connaît que dans la vérité, là, il est dedans. Vérité, là, s'il veut, il est dedans. Donc, ce n'est pas bon là. Regarde à Yopougon. Quand il a vu que Yopougon, le maire qui était là, il n'a pas discuté. Il dit, mon frère, il n'y a pas élection. Tu vois, tu es maire, mais tu dois quitter. On doit positionner un nouveau. Il a positionné. Donc, c'est comme ça Ado fonctionne. Ado fonctionne pas parce que toi, tu as les beaux yeux ou bien parce que tu t'es dit, c'est RHDP. Tu ne fais pas le travail du RHDP, RHDP, T4. Parce que c'est vous qui gâtez le nom. Le nom de RHDP là, est gâté à Lakota à cause de toi. Tu n'es pas RHDP. Tu es venu sous la coupole d'un candidat indépendant. Et tu es devenu RHDP forcé. RHDP forcé, là, tu n'as rien prouvé que le RHDP fait. En attendant que le RHDP travaille à Divo, en attendant que le RHDP travaille à Gagnoa, en attendant que le RHDP travaille à Daloa, à Sassandra, toi, tu es en train de prendre 54 lots, tu es en train de créer des magasins pour toi-même. Et nous, on allait te donner encore, mais tu ne peux pas dire que là, quand on boit l'eau dans nos narines. Regarde, je t'ai dit que le RHDP, là, et le gouvernement, là, ce n'est pas des plaisantins qui sont là-bas. Voici la décision. Voilà la quota. Décision. Conseil d'État. Voici commune. Voilà ça. En hier, je vais agrandir, vous allez voir. Voilà commune. On va un peu. Commune de la quota. Vous savez, la quota est... Akbore Yako. Voilà. La quota, voilà. Attends, Non, il faut que je fasse quelque chose pour emballer, la... pour entourer la quota. Où est la quota? Attends. Les gars, connaissez-vous? Partagez le direct. Si on n'est pas dans, on n'est pas dans mélangement, il est tout, il est tigri, tigri, tigri. On dit le maire n'a qu'à partir. Le maire là, c'est pas la ville là qui l'intéresse, mais ses petits banderoles, il attache sur son ventre pour pouvoir présenter. C'est ça, ses petits banderoles. Je vous montrer commune de Lakota. Voilà, commune de Lakota. Que vous allez voir comment vous-même vous allez voir. Vous pensez que nous, on est dans l'affaire de. Comme tu n'as pas gagné. Non, non, non. C'est corruption, là. C'est sûr, ça. Ado est. Si ce n'est pas bon, il te regarde dans les yeux et dit ça. À Magné. Donc, où j'ai entouré en vert, là. Voici. Voilà. Où j'ai entouré en vert, là. Voilà. Vous voyez. Commune de Lakota. Voilà ça. En vert, là. On dit, Samy Mairie, RHDP, voilà, face à Dali Prince, PDCI, PPACI, P,
PDCI. Voilà. Maintenant, voilà la décision. C'est-à-dire, lui, ils l'ont battu là. Lui, il a pris les cas d'identité des gens et puis aller faire réclamation. Voilà ce qu'ils ont répondu. On dit requête. Requête recevable mal fondée. Requête recevable mal fondée et rejetée. Donc, tu n'as pas vu des gens encore à côté de toi pour écrire. Pour mentir, même vous n'avez pas pu. C'est-à-dire, on dit recevable mal fondé. C'est-à-dire, pourquoi même vous faites ça? Les autres, ils n'ont pas dit mal fondé, hein, parce que j'ai vu des autres qu'ils ont rejetés. Ils ont dit, mais on dit mal fondé et rejeté. C'est-à-dire que mal fondé et rejeté. On peut faire ça d'abord. Un mec qui avait 10 ans, et on dit, dis-toi, tu t'as tes plaines. Là, ils t'ont volé. Alors, toi, tu vas être dans les conneries, quoi. Mal fondé et rejeté. Ils ont rejeté ça à la quota. Actuellement, c'est l'ambiance à la quota. Tu vois? C'est-à-dire que tu es à Nyabezaria, tu es député de Nyabezaria. Donc, si tu pars ici, là, au moins, tu peux quand même parler. Et puis, les gens vont te dire, ah, vraiment, il est parti, mais il va gérer Nyabezaria. Mais ce que tu fais là, tu vas tout perdre. Ce que tu es rentré dedans là, ça va pas t'arranger. Donc, ces parents de Lakota, affaire clos. Le maire là, c'est du passé maintenant. Il fait partie d'anciens. Il est dans la catégorie d'Aouma-Tédié. Il est dans la catégorie de Babli Dominique. Il est dans la catégorie de Gazagazo Francis. Il ne peut plus porter petit ceinture là. Petit ceinture, un blanc, mais là. À peine à porter. Et you will not porting. On vous a dit travailler pour la commune. Travailler pour la population. En attendant que tu vois qu'Amédée Kouakou est en train d'envoyer autoroute. En attendant que tu vois qu'Amédée Kouakou est en train d'embellir Divo. Toi, c'est Amédée Kouakou lui-même, toi, tu prends. Que de nous envoyer route, Amédée Kouakou qui fait route, qui a fait pont, là. Au lieu de le voir pour envoyer pont, pour envoyer route à Lakota, c'est lui-même sa personne, tu nous envoies à Lakota pour dire, Amédée Kouakou même dit, votez-le. Amédée Kouakou, on l'a voté deux fois. Troisième fois, il va nous aborder quoi? On l'a voté deux fois. De toute façon, toi, tu fais à Divo là, ces conseils-là, il faut lui donner. Moi, je suis imposé à Divo avec le nom du RHDP et puis tout le monde m'acclame et je gagne parce que j'ai travaillé. Mais toi, c'est Amédée Kouakou, tu prends. Si tu n'as pas pris Amédée Kouakou, c'est la fille de Boga Doudou, toi, tu vas venir nous montrer. C'est sur la fille de Boga Doudou enroulée. Si c'est sur Amédée Kouakou enroulée, c'est route on attend. C'est marché. Il n'y a pas marché. Tu es là 10 ans. Il n'y a pas marché à Lakota. Tu es là 10 ans. Il n'y a pas banque à Lakota. Tu es là 10 ans. Il n'y a pas amusement à Lakota. Où Divo s'en jouait tété à Abidjan, là. Et puis on parle de la promotion de la ville de Divo, là. Lakota est dans l'obscurité. Lakota est dans le noir. Et vraiment, quand tu es devant une ville, que la ville se trouve dans le noir, toi-même, on te ramène dans le noir pour mettre la ville dans la lumière. Champion, tu n'as plus ta place à Lakota. Voilà. Tu t'en vomis. Il fallait juste partir sans faire de recours. Ben, tu pensais que le RHDP doit rentrer dans ta margouille. Non. Le RHDP voit loin. Le RHDP prépare demain. Tu n'as pas vu Adama Bitogo comment il a frappé sur Yopougon. Parce que regarde le petit Mbappé. Regarde le petit Mbappé. Regarde le petit Mbappé. Tu ne prends pas exemple sur lui. À Dalowa face à Stéphane Kipré. Dans sa main, tu as. C'est ça la puissance du RDP. Mais toi, tu es là, ce terrain, tu as pris 54 lots, toi seul. Tu as mis pied ici, tu as dormi de comment? En attendant que les jeunes du village n'ont même pas. Toi, tu as dormi comment? Donc, chers parents, félicitations à vous, tous les parents de Lakota, vous qui avez décidé de Djoulaboukou, qui pensaient que tu allais manipuler les Djoulas. Djoulaboukou, ils t'ont battu là-bas.
Parce que Julia, beaucoup, tu crois que tu casses les magasins de. Julia, c'est les commerçants. Faut casser les magasins. Tu as fait toi-même tes magasins privés et puis ils vont venir te voter. Tu crois qu'ils sont fous? Tu t'en à Cabré-Bois où on est en pleine ville et on n'a pas route. Hôpital, tu as mis là-bas, c'est pour toi. Tout ce qui est là, qui va te voter? Tu te vas prendre nom de. Si tu veux mettre peinture sur toi pour dire tu t'appelles RADP, fouille! RADP là, c'est pas les actes. Alassane Ouattara même qui a créé RADP là, avec Bédier, lui-même il travaille. Malgré qu'il a créé son RADP là, il travaille. Il fait pont aujourd'hui, on l'insulte, il fait deuxième pont, il fait encore. Jusqu'à il a dit, ah ça c'est joli, jusqu'à il met lumière dans le pont là, pour nous montrer que voici ce qu'on doit faire. Il s'en va jusqu'en où on l'insulte là. Mais toi, dès que quelqu'un parle de toi, non, lui là, tu t'en fais meeting même et puis tu dis, tu penses que c'est mon nom à Daïri. Les appareils là n'avaient pas de développement. Toi, tu as fait meeting avec mon nom. Champion, mon nom là, c'est Taoui. Les chanteurs de Lakota, Alain Guise, notre icône à Lakota, tu l'arraches ce micro et puis pas chanter ici. Et toi, tu vois, ça dit ta dictature là, tu vas devenir encore maire à Lakota. Tu t'es quitté où? Tu es quitté où? Pour gouverner les gens, il faut les prendre comme ça. Faut les attraper comme ça. Tu sais qu'il y a élection de un politicien, il doit mentir. Un politicien, quand on te dit monte là, tu descends d'abord. Donc tu sais que tu as élection devant. Et puis tu dis à Cabré-Bois, vous êtes ingrat. Vous avez tout donné à ce village. Maintenant là, tu as tout perdu dans ce village. Va leur dire maintenant. Nous on est ingrat, hein, celui qui ne fout rien. Nous on est ingrat, hein, celui qui prend tous nos terrains. Pour avoir ça, nous-mêmes, on est 6, on nous donne un lot. Et toi qui n'es pas du village, tu as 54 lots. Tu es le premier maire de Lakota. Si tous ces maires-là ont pris 54 lots, là, Akabrebo n'existe plus. Tu n'as même pas pris 4 lots. Tu n'as même pas pris 5 lots. Voire 10 lots. Mais 54 lots, toi seul. Tu as dormi comment? C'est ton village. On ne fait pas ça. Donc, toi, on allait te révolter à la côte. Tu penses que quoi? Les ferronniers, les gens de. Les cordonniers, les ferronniers qui sont à la côte, là, tu les as déplacés. Pour même magasin là-bas. Magasin cher, on va louer. Champion, ils t'ont sauté que Gilabou y a gagné. Gilabou, tu as gagné où? Gilabou, tu as voté. Où tu as voté là? École 4 là. C'est Gilabou. C'est pour Gula. Oh. Tu as gagné comment? Il faut chercher l'homme quand tu sais que tu veux diriger les hommes. Quand tu sais que tu veux diriger les hommes, il faut savoir aller vers les gens. Où les gens pleurent avec eux. Dans un village, quatre corps, à Cabré-Bois, chez moi, les gens sont en train de pleurer. On fait vidéo, on te dit, terrain là, arrête d'inaugurer d'abord. Lui qui t'a envoyé là, dis-lui qu'il y a eu quatre morts dans le village là, où on devait fêter là, il y a quatre morts. Toi, tu as inauguré le terrain. Tu t'en fous de tout ce qui se passe dans le village. Toi, tu as fait un terrain poto-poto, il faut inaugurer. Donc, vous pensez que toi, tu as venu à Lakota gâter le nom du RIDP pour dire, ça fait 10 ans, le RIDP est ici, et puis il ne faut rien. Le RIDP n'est pas, tu n'es pas RIDP. Parce que ce que Kouyaté, en tant que RIDP, ce que Kouyaté est en train de montrer Lakota là, nous on est fiers, c'est pour ça qu'on l'a reconduit député. Kouyaté, quand il va dans une famille, il regarde la compétence, il est avec eux, il pleure avec eux, il est partout. Il est dans le bonheur, il est dans le malheur avec les villageois. Donc, il n'y a pas à faire. Quand on dit, Dida Kwasi passe à Kouyaté, Kouyaté sont RIDP, nos cœurs ne battaient pas. On sait qu'à Lakota, on va frapper. Qui vont nous présenter députation passe à Kouyaté, Kouyaté passe. Mais il est passé. Il est passé parce qu'il mérite. Il est passé parce qu'il a voulu, il a cherché. Il n'a pas dit Ado va venir, je suis Adoïs, je suis avec Ado, il y a mes peintures ici Ado, ici peinture RHDP. Non, c'est son boulot, c'est le contact qu'il a eu avec les parents, c'est sa manière. Donc quand les gens ont attaqué Kouyaté, c'est les Didas même qui se sont levés pour dire non, c'est notre fils. Et c'est ça notre fierté au RHDP. Quand on est là, on fait du bruit.
Est-ce que le monsieur que nous suivons là, c'est un livre? Le monsieur que nous suivons là, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est un enseignement. Il faut apprendre ce qu'il fait. Mais tu es au RADP. Ton nom est RADP. 10 ans. 10 ans. Tu n'as même pas ouvert devant toi ta porte. C'est chez qui tu vas mettre? Champion. RADP t'a vomi. Et à Lakota là. Et puis toi seul même là. Tu es maire à Lakota. Et puis tu es député à Niabezaria. Tu es le seul. Tu peux assumer tout ça là. Et puis tu vas être conseil régional à comment on appelle? À Divo ou bien à comment on appelle? Sigisso. Tu es seul. Quand on a la petite ville de Lakota qu'on t'a confiée là, c'est lourd dans ta main. Deux mandats à Lakota. Toi-même, quand tu fais ton bilan là-haut, tu ressembles à un maire de RADP. Quand tu fais toi ton bilan là, nous, on n'a qu'à venir sur les réseaux. Il y a un inconscient qui m'appelle. Tu as dit RADP. Le RADP, c'est le boulot. Le RADP, c'est le travail. Le RADP, c'est l'exemple. Le RADP, ce n'est pas bavardage. Ces bavardages-là, on a combattu avant, là. Venir et puis bavarder, expliquer, là. C'est ça, on a combattu, là. On ne va pas venir expliquer aux villageois. Non, nous, c'est parce que, on n'est plus dans c'est parce que. Ado n'a pas attendu, c'est parce que. Il n'a pas attendu, c'est parce que. Il a pris le pouvoir net, là, où il y avait les âmes partout. Il a commencé à travailler déjà. Il n'a pas demandé, non, comme je viens de prendre le pouvoir, les caisses sont vides, les ceci, il n'y a pas eu d'explication. Jusqu'à aujourd'hui, Abidjan est comme Petit Paris. Côte d'Ivoire est comme Petit Paris. Jusqu'à on nous donne pour la confiance de la sécurité, pour la confiance des infrastructures, on nous donne la Coupe d'Afrique en 2024. C'est l'exemple, ça là, nous suivons. Nous ne venons pas pour expliquer, non, le maire là, il devait travailler. 5 ans, on peut expliquer comment on s'est levé là pour dire que non, il faut qu'on l'accorde encore 5 autres années. Mais 10 ans, on n'a qu'à expliquer quoi? 10 ans, toi, tu vois, nous, on va venir faire vidéo pour dire le RADP, vous voyez le candidat là, le candidat nous montre à Divo là, on a montré l'autoroute que Amédée Kouakou a fait. On a montré les actions, les artistes qui l'aident. Partout il est, partout il part, partout, même ses chansons on a fait. Parce qu'on sait que lui là, il est là pour le RADP, il est dans l'école d'ado. Mais toi, ton nom seulement, c'est-à-dire toi, tu n'as pas honte de prendre Amédée Kouakou, venir faire campagne à lui sur toi, dans ta commune. Tu devais nous montrer la route que d'Amédée Kouakou. Là, côté, on n'a pas besoin de rouler sur Amédée Kouakou. Tu viens avec la fille de Boga Doudou, la pauvre qui connaît rien. Son papa, depuis son papa est décédé là. Nous-mêmes, on ne sait pas où son papa est. Nous voulons voir. Nous voulons la voir en train de s'amuser un peu. C'est elle, toi, tu mets devant toi comme parapluie. Et puis elle n'a qu'à venir. C'est elle, c'est Goudron. Elle, c'est qui? C'est Goudron. Lakota a besoin d'eau. Lakota a besoin de propriété. L'autre a besoin de route. L'autre a besoin de marché. L'autre a besoin de comment on appelle? De banque. Toi, tu viens à la fille de Boga Doudou. La fille de Boga Doudou, là, c'est banque. La fille de Boga Doudou, c'est un marché. La fille de Boga Doudou, c'est la route. La fille de Boga Doudou, là, elle, c'est un stade. Hein? Koudou Tony. Toi, tu as vendu ton âme. Oui, j'ai vendu ça à ton père. J'ai vendu mon âme à ton père. Toi, un maudit comme ça, là, tu penses que tu allais. C'est vous, vos 10 000 francs. 10 000 francs se retrouvent dans la mer de vous, des inconscients comme ça. Toi, un Koudou Tony. Un chien comme ça, tu vas prendre le nom que tu as. Toi, où tu es, je peux te nourrir. Nourris ta maman, il nourrit ton père. Un animal que tu es. Moi, je ne peux jamais aller sur ton direct. Où tu me vois, là? Donc, moi, mon père m'a éduqué à me battre. Moi, je suis un monsieur qui s'impose. Et je me suis imposé pour que toi, un chien, quand tu viens sur ma page, moi, tu ne peux jamais me voir sur ta page. Tu ne vas jamais me voir sur moi, sur toi, ta page. Mais toi, peut-être que où tu es sur ma page, là, ton père est sur ma page. Ta mère est sur ma page. Parce que vous êtes des mendiants de 10 000 francs. Des inconscients comme ça, des gens illettrés, des gens, des sauvages comme ça.
Ton coup d'outoni, là, tu sais que toi-même, là, c'est un nom que ton vieux vilain père, là, t'a donné, qui ne signifie à rien. Moi, quand tu dis à Balé Tawalé, à Lakota, on me connaît. Quand tu dis à Balé Tawalé, à Kabribo, on me connaît. Quand tu dis à Balé Tawalé, en Côte d'Ivoire, on me connaît. Mais au coup d'Ouzoni, Tony, Vonioni, vaut rien que tu sois imbécile. Nya, tu as vendu ton âme. Cette l'âme de ta mère, j'ai vendu brutale, sauvage. Chien que tu sois. Moi, là où je suis, là, je me sens très à l'aise. Très, très à l'aise. Tu vois pas, à 7 h où je parle, là, je suis couché dans mon lit. Je suis dans ma grande maison, imbécile que tu sois. Peut-être que tu connais même pas Burkina, parce que qui va te mettre sur vélo pour t'envoyer au Burkina? Si ce n'est pas pour rester sur les directs des gens pour parler seulement. Sinon, c'est mon numéro, j'ai mis là-bas. Va donner à ton père. Et puis, je suis de là, côté, je suis de la Cabrébois là-bas. Je viens là-bas bientôt. Imbécile que tu sois, les mendiants comme ça. Prenez 10 000, 10 000, 10 000 des chiens comme ça. Il y a le coup d'outoni. Mais reviens sur page là, tu vois, je vais te bloquer. Va faire commission à ta mère qui t'a mal éduqué là. Va faire commission à ton père qui t'a mal éduqué là. Voilà. Va faire. Si tu penses que moi là, si ces 3 chiens là, ils ont envoyé sur moi là, tu n'as rien compris. Moi, je n'ai même pas affaire à toi. J'ai affaire à celui qui t'envoie là. Je vous ai dit que vous, là, vous ne comptez, vous ne pesez rien à Lakota. Je vous ai dit vos t-shirts de mendicité que vous promenez là, c'est pour prendre, pour aller chercher graines, pour que une rouge coule dessus. Sinon, à Lakota, là, pour vous, est fini là-bas. Vos conneries, vous étiez dedans là, c'est fini. C'est la population qui vous a vomi. Vos 10 000, 10 000 que vous, on vous donne, vous prenez terrain des gens, vous cassez les magasins, vous prenez tout ça là. Ça là, vous devez partir avec ça. Au lieu de partir simplement, vous partez maintenant avec la honte. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes mort 2 fois. Les gens vous ont battu 2 fois. Vous avez pris preuve. Jusqu'un conseil de l'État vous dit, mal fondé et rejeté. Hein? Requête mal fondée et rejetée. Tu n'as pas honte de venir parler ici. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. RHDP, là, c'est une puissance. RHDP, c'est une force. RHDP, on ne se justifie pas. On vit, on marche. Quand on est venu faire démonstration de force à Paris, ici, là, on a boué Paris. Nous, on ne bavarde pas. Quand on a dit la marée orange, on a boué Paris. Va à Samatiki, là, tu vas voir. Il n'y a pas bavardage. Divo, il n'y a pas contestation. Quand ils ont dit que c'est Amédée, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Gagnoa, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Chez Stéphane Kipré, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Même Damana Pictet, RHDP l'a battu chez lui, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Parce que c'est la force que nous avons. Nous travaillons parce qu'on sait que demain, on sera candidat. Nous travaillons parce qu'on sait que demain, on va venir vers la population. Nous ne marchons pas sur la population pour venir vers la population. À Yopougon, on a frappé là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a contesté. Donc, lui, à Lakota, il va venir gâter notre vieille RHDP, on a dit, non, on les soutient à côté. Il a fait quoi à Lakota? Si c'est des 10 000, 10 000, il donne à toi, Koudou, Tony, à être ton vieux mendiant, à être ta mère mendiante, là. Si c'est ça que tu penses qu'on allait prendre pour construire Lakota, là, tu as tiré à l'air. Tu as tiré en l'air. À Lakota, on connaît un RHDP puissant et fort qui s'appelle Kouyaté, honnête et qui connaît la politique d'ado, qui va vers la population, s'appelle Kouyaté. À part lui, là, le reste, ça s'est fait divers. Il y a des RHDP là-bas. Mais dans la candidature qu'on a connue, là, députation, là, on a gagné. Députation, on était là, on a fait des vidéos. À Laksu, Lakota, on a dit à Lida Kouassi que nous, on va te battre là-bas. Avec Kouyaté, là. Et puis, on l'a battu. Mais elle s'est dit, là, quoi, si elle est venue faire vidéo, il est venu réclamer, il a envoyé des mercenaires comme toi, des mendiants comme toi. Nous parlons de là, quoi, c'est à cause de développement. Tes parents tombent dans l'eau pour venir ici, là. C'est à cause de développement. Vous qui ne mangez pas route, là, c'est à cause de route, là, que les parents. C'est à cause de pont, là, les parents viennent en France, là. C'est à cause de lumière, c'est à cause de boulot, c'est à cause de tout ça, là, qu'ils viennent ici. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui vont mettre peinture sur eux pour dire qu'ils sont RHDP, là, on va enlever peinture là-dessus pour leur montrer leur vrai nom. Donc, vous, quand on donne les 10 000, 10 000, ça, c'est pour vous. Ça ne nous concerne pas.
Nous, là, ce qui nous concerne, là, c'est le travail bien fait. C'est le travail. Si vous ne le faites pas, on vous dégage. On s'en fout de votre ethnie, on s'en fout de vos partis politiques, on s'en fout de ce que vous êtes, on vous dégage. Et on l'a dégagé. Maintenant, les 10 000, 10 000 vous donnent là. Allez-y, réglez ça entre vous. Voici le Conseil d'État. Vous pensez que vous allez prendre, brandir le nom du RIDP, et puis vous n'avez pas honte. Le RIDP, c'est envers quelle réclamation? Le RIDP, c'est le boulot. Au moins, on peut dire que tu es un nouveau candidat du RHDP et que les gens t'ont volé, tu as fait réclamation. Il faut essayer ta réclamation. Si ça n'a pas marché, on dit, ah, tu as essayé quand même. Mais toi, tu es maire 10 ans. Et puis le RHDP, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Il n'y a pas goudron devant ta route, quand même. Toi, tu es menuisier, il n'y a pas de tabouret chez toi là. Donc nous, on sait qu'on ne voit pas malédiction. Ça, on va venir te dire, hein, c'est toi, tu vas nous donner chaise. On a gagné ça où? Route, il n'y a pas chez toi. C'est nous, on a gagné route. Nous, on sait que route là, même au moins tu peux mettre route chez toi, devant ta porte, pour nous blaguer au point. Dairo Goli qui passe à sa coupée là côté en deux. Et puis toi, tu es là 10 ans. Et puis nous, on n'a qu'à revenir te donner. C'est ça que les 1 000 francs, 1 000 francs, on va vous donner. Toi, Koudou Tony, là, tu es passé où? Tu es passé où? Mendiant que tu sois. Va dire à ton père Kabalé Konaté. Là, Kouta, c'est chez moi. Si moi, je suis son excellent Alassane Ouattara, je l'ai suivi pour son travail. Je l'ai suivi pour sa rigueur. C'est une école quand on le suit. Quand tu suis ce monsieur-là, c'est une école. Ce n'est pas un monsieur qui est dans à peu près, qui se justifie. Tu le vois parler. Donc nous, on n'a qu'à parler à Lakota en attendant que nos parents s'en vont retirer l'argent à Gagnoa. Nos parents à Lakota s'en vont retirer l'argent à Divo. Nous, on n'a qu'à venir parler. Et puis, c'est le maire de Divo et le député de Divo qu'on nous envoie pour faire campagne. Tu es normal là. Tu es normal là. Tu es fou ou bien tu t'en fous? Tu es fou ou bien tu t'en fous? Appelle ton direct. Ah oui, mon direct, mon numéro c'est 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. Non, toi tu penses que vos conneries vous êtes dedans, c'est fini. Des bavardages, des injures. Vous êtes resté dans ça, ça va où? Que de donner conseil là. C'est vous pensez que c'est votre connerie là qui allait nous intimider? Vous pensez que vous là, notre âge là, vous allez nous intimider? Est-ce que vous nous regardez même? Vous ne voyez pas le visage là. Tout ce qui est ici là, c'est vieillesse, c'est rides. Vous ne savez pas? Donc pensez que c'est votre connerie là qui allait nous intimider? Vous allez quitter là-bas, venir. C'est-à-dire que n'importe qui va prendre le nom de ado pour dire non. Et puis, puisque le gars a embelli son nom dans tout Côte d'Ivoire, là, toi, tu vas venir salir dans une petite ville, là. Tu veux dire que c'est le RHDP qu'ils ont battu. Ils n'ont pas battu le RHDP à Lakota. Ils ont battu Sami Mairie à Lakota. C'est un maire indépendant. C'est un maire qui a mis peinture sur lui du RHDP. C'est pas un RHDP. RHDP, députation. C'est les mêmes gars-là qui votent. Députation, là, c'est pas RADP qui vote. On a battu même PPACI là avec un grand qui s'appelle Lida Kwasi. On l'a battu dans députation. C'est les mêmes électeurs. Mais lui, là, il n'est pas RADP. Il sait où il est. Il sait où il est. Non, c'est pas une histoire ils ont battu. Le RADP n'a pas été battu en mairie, là. C'est peinture. Nous, on est en train d'enlever, là. Ado a déjà fait tout le boulot des candidats du RADP. Va. Partout, tu t'en vas. Quand on dit c'est un maire RHDP, quand tu rentres dans la ville, tu rentres à Bassam, tu es content. Tu rentres à Korogo, tu es content. Tu rentres par... Quand tu viens à Lakota, c'est mousse, c'est pourriture. C'est tout ça, la saleté. Route est coupée en deux. On n'a qu'à venir te mettre là. Parce que vous, toi, un Tony sauvage comme ça, Koudou Tony là, c'est un animal qu'on parle, t'as donné 10 000, que nous, on n'a qu'à venir. De revoter Sami Mairie. Va le voter avec ton père, avec ta mère. Vous les Tony, les poissons. Là. Imbécile que tu sois. Vous pensez que Lakota, là, c'est pour vous seul. Vous n'avez pas pitié de vos parents qui vont. Quelqu'un qui est là 10 ans, vos parents s'en vont retirer l'argent à Divo. Il n'y a pas banque. Lui, il a sa société à Abidjan, il s'en fout.
Il n'y a pas Wesson, il n'y a rien. Même marché qui est brûlé devant lui, là, on ne sait pas comment c'est brûlé. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas marché. Il n'a jamais fait. C'est quand on lui donne un troisième mandat. Toi, tu es bon ou bien? Tu es bon ou bien? On a quand lui donner troisième. Les 10 000, il a donné à toi et ton père, là, manger ça. Sinon, Lakota l'a vomi. Lakota l'a vomi. Le conseil qu'on devait lui donner, c'était de dire félicitations à l'adversaire. Et puis, il partait tranquille. Il partait grand. De toute façon, Dida Kwasi est venu dire à Kouyaté, tu as gagné. Et puis, il est parti grand. Là. C'est comme ça, Sami Meri allait partir grand. Mais, blou, 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 requête. Voilà, requête, là. Voilà comment. Tu pensais que le, tu es RIDP, ils vont venir salir leur nom à cause de toi. Et ils sont là-bas, ils ont des renseignements. Hein. Ils sont là-bas, voilà. Voilà. Voilà comment le RIDP a répondu. Puisque c'est nous, on est au pouvoir. On dit, Sami Meri, RIDP, ça c'est RIDP peinture, Dali Prince, PDCI, PPACI. On dit requête de Sami Meri, requête recevable, mal fondée et rejetée. Ça, c'est l'État, Conseil de l'État qui a écrit ça. Mal fondée et rejetée. Voilà comment on évite la honte. Voilà comment il faut éviter la honte. Vous pensez que vous êtes là, quand quelqu'un parle, si Lila, s'il vient là, il va voir. Si Lila, il vient là, si toi, tu viens là, tu vas voir, on voit quoi. Après la mort, là, il y a quoi encore? Si vous avez trop fait là, c'est pour nous tuer. Mais vous nous avez tué, vous n'avez pas tué, on va toujours mourir. Non, on s'en fout. Vous ne pouvez pas créer quelque chose. Tout ce que vous avez fait là, c'est tuer. On s'en fout. Que vous tuez ou pas, on va mourir. Vous avez tué, vous n'avez pas tué, vous allez mourir un jour. Vous avez l'argent, Oufoué a l'argent, il est mort. Bédi a l'argent, il est mort. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Michael Jackson, il a l'argent, il est mort. Donc, vous pensez que qui a peur de vos conneries, les petites menaces à deux balles là? Vous pensez qu'on a peur de ça? Vous pensez qu'on a peur de vos conneries, de menaces là? Et que, on voit quoi? Vous allez nous tuer et puis vous allez nous refaire vivre. Ou bien c'est quoi vous avez fait? Donc, et puis vous avez peur. C'est vous-même, vous craignez. Vous savez que même si c'est rouge, on est devant vous, on vous dit que c'est rouge. Si c'est noir, on est devant. Vous avez trop trompé nos parents. Vous avez trop blagué nos parents. Comment toi, tu vas venir en tant que maire, indépendant, et puis un coup comme ça, c'est vous, là. Et puis directement, tu es RIDP. RIDP, nous, on a cru que tu es RIDP, c'est pour travailler dans la chose. Pour que demain, là, quand on s'arrête avec l'opposition, on va leur dire que nous, là, voilà le travail qu'on fait. Toi, tu viens nous on nie là-bas. Tu viens ton nid parce que c'est pas le RIDP. Le RIDP est en train de crier. Le RIDP est en train de faire partout. Touré Mamadou, regarde ce qu'il a fait. Dans village, ça dit que son adversaire, même dans son village, il est venu mettre l'eau là-bas. Voilà l'exemple que Ado donne. Dans village, ça dit que Ado allait mettre des châteaux d'eau à Rouagayo chez Gbagbo là-bas. C'est ça. Gbagbo demande un passeport. Ado lui donne deux passeports. Voilà. Donc voilà le travail. C'est-à-dire, il s'en va vers les gens. On prend ce qui est difficile et puis on met ça vers nous. Mais toi, le pauvre villageois, là, son terrain, là, toi, tu as déjà pris 54 lots dedans. Ah, dama. On n'a qu'à te redonner. Mais tu vas nous prendre 1 million de lots. Ah! C'est-à-dire 54 lots, toi, tu as pris dans un cabré-bois, là. Mais si tu redeviens maire encore, tu vas reprendre encore 54 lots, l'autre maire va venir. Il va prendre 54 lots. En ce temps, à cabré-bois, on va construire ça en haut. On va planer, parce qu'on n'aura plus de terre. Champion, tu n'es pas du RIDP. Le RIDP, là, aujourd'hui, on ne reste pas dans RIDP pour bavarder. RIDP, on est concret. Même nous-mêmes qui on n'est pas maire, là, quand on nous appelle comme parrain, c'est-à-dire, comme on connaît la force de nos papas, là, on barrage jusqu'à. Et puis on élève nos visages comme ça, et puis on parle. Mais moi, j'étais invité à Paris ici, en tant que maire de RIDP, à Paris ici. Pikini. Pikini. Un parrain parrainé. Un parrain, maire de Lakota,
venir parrainer en présence de 10 associations. Même BIC, il n'a pas donné. La gota, c'est genou, genou, 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 la gota, c'est genou, genou. Allez, ma ta papa, je salue depuis ta position. Je salue Jean-Jacques Apia. Sois salué depuis ta position, Kaboré, Kaboré. Eliane Touré. Hey, l'homme s'appelle, sois salué. On va faire les tri. Ceux qui vont prendre le nom du RADP pour coller sur vous et puis vous n'allez pas travailler là. On va vous trier. C'est à cause de vous là. Vous êtes dans veste des RADP et vous faites vos conneries. On va vous enlever. On va vous dénoncer. Vous n'avez encore rien compris. Ça a commencé. Portez veste des RADP, mettez peinture sur vous. Et puis vous dites vous êtes RADP, puis vous n'êtes pas dans le combat des RADP. Quand ça commence à naître, vous êtes déjà parti. Hé, champion, on va vous trier. Parce qu'on vous connaît, on connaît. Comment toi tu peux être là 10 ans, tu peux même pas. Tu... Aïe, Adama. C'est dans le pouvoir, tu si on est au pouvoir que tu fais rien. Et si on était à l'opposition. Ah là. On va enlever peinture sur vous. Prenez le nom du RADP et puis ne foutez rien à ça. Tu es au pouvoir ou toi, tu as mis peinture sur toi, tu n'es pas RADP. RADP, il n'y a pas roue devant ta porte. En attendant que les Diaby la Sinena sont en train de faire hôpital 10 bois comme ça pour dîner. Pour Samatic, il y a d'amas. En attendant, là, côté là, c'est nos petits lots là, on nous prend. Commissariat, on dit, on voudrait faire pour nous là. Les herbes ont pris ça. Ah! Mais des RADP. Quel bel RADP. Faut enlever RH là. Et puis c'est pour toi seul. Le reste là, c'est pour toi seul. Sinon, nous, on n'est pas. Non, 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 non. Donc, les gars, Lakota, c'est conclu. On dit le maire sortant de Lakota. Qui avait mis peinture du nom RADP sur lui, parce qu'il n'est pas RADP, RADP n'a jamais été battu à la quota, parce que nos députations, vraiment, on a battu. Mais ce maire-là, c'est un maire qui est venu en tant qu'indépendant, qui a mis peinture sur lui, et pif, il est venu envoyer requête, qu'au lui, il a les preuves. Preuves de quoi? Tous les villageois t'ont pas voté, toi, tu as quelles preuves? Même si tu reprenais maintenant les élections, là. Ta propre famille n'allait même pas te voter. Donc, on part pas. Si tu veux pas que petite honte te blesse, c'est 10 bas honte qui te prend. Voilà. Donc, ouais, Draman, Nakoulma, sois salué depuis ta position. Jean-François DB, je vous salue, vous tous. Donc, je vous ai dit, hein, vraiment, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, à la quota, nous sommes au 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. Donc nous sommes dans la politique, nous ne sommes pas dans la haine. Voilà. Donc nous ne sommes pas contre Sami Méry. Sami Méry vaut rien, il n'a rien foutu à la quota. Il a été récompensé juste, ben, voilà, c'est sa valeur. C'est qu'il mérite, c'est ce que Lakota l'a donné. Il n'y a rien. Voilà. Tu vois, ça vient de Lakota. C'est un vocal, je viens de recevoir. Ça 27. Ça vient de Lakota. Tu vois ça? Pour te dire que
Tous les gens de la côte ne sont même pas d'accord avec toi. Ils sont contents parce qu'on t'a bain. Donc frère, pas avec, ne parle pas avec la honte. Ok, Adia. Ouais, yo, merci pour ton soutien. Là, vous voulez m'accueillir, yo, le bien. Yo, l'hôpital est le bien. L'hôpital fort. Ayo, la yako. Donc, chers parents de la Kota, félicitations à vous qui décidez. Parce que si quelqu'un ne vous arrangeait pas, quelqu'un qui n'est pas dans le développement, ce qu'on nous a appris, avant quand un maire fait sa campagne, il dit je vais vous donner route. Il dit je vais vous donner lumière. Il dit je vais vous donner de l'eau. Il dit je vais gratter autour de vos villages. S'il n'y a pas un maire de ce genre, il dit je vais vous aider à envoyer école. Il dit je vais envoyer hôpital. C'est ça là, on souffrait pour voter les maires. S'il y a un maire qui va venir faire le contraire, s'il y a un maire, lui-même, il va faire lui-même ses propres magasins, vous allez louer, dégagez-le. S'il y a un maire, lui-même, il n'y a pas route devant sa porte là, c'est pas dans vos villages, il va mettre, dégagez-le. S'il y a un maire qui va venir prendre tous vos terrains, en attendant que lui seul, il a 54 lots, et que vos enfants, s'ils ont un lot, dégagez-le. Là, il n'y a pas état d'âme. Donc que Dieu bénisse la Côte, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Papa Ado, que Dieu bénisse tous les décideurs de la Côte d'Ivoire. Je suis à Balé Tawalé. Kourou!